Dans quelques secondes, nous allons prier. Dieu très saint, tu es grand, tu es puissant, Père éternel, je viens devant toi, tu es Alpha et Omega, merci pour ta présence. Ton nom est Elohim, tu es Tchikenu, tu es Rapha, tu es Jireh, tu es Je suis, gloire à toi Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, ceux qui sont à genoux, les mamans qui ont mis la main sur leur ventre, parce qu'elles ont la foi, merci Seigneur. Merci parce que tu as déjà touché certains. Il y a ceux qui sentent déjà la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde. Le Seigneur t'a visité. La main de Jésus est sur toi. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une délivrance. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Il y a une puissance qui se manifeste. Alléluia, alléluia. Il y a une dame qui crache. Tu as envie de cracher. Tu as la nausée. Tu as envie de vomir. Il y a la délivrance. Il y a un homme et une femme qui sont délivrés de l'esprit d'adultère. Alléluia. Il y a des jeunes qui sont délivrés de la fornication, de l'esprit de masturbation. Que la masturbation te lâche. Je dis que la masturbation te lâche. Que la pornographie te lâche. Au nom de Jésus. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Ça fait longtemps que tu pries pour le mariage. Le Seigneur t'ouvre une porte. Tu vas trouver quelqu'un pour le mariage. Au nom de Jésus. Merci pour la porte qui s'ouvre. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la nausée. Il y a deux qui sont en train de vomir maintenant. Il y a une délivrance. Il y a des liens ancestrales qui sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une grande délivrance. Je sens beaucoup de liens sataniques qui sont brisés. Il y a deux personnes qui sont guéries du COVID-19. Vous êtes en train de prier pour la guérison du COVID-19. Le Seigneur vous guérit du coronavirus. Il y a une femme qui est en train de prier, qui a mis ses deux mains sur la tête. Les cheveux tombent tout le temps. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre de migraines. Il y a quelqu'un qui a mis ses deux mains sur la tête. Tu souffres de migraines. Mais il y a une puissance de guérison. Aujourd'hui, je sens la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a une personne qui est en train de bailler. Deux personnes qui sont en train de bailler tout le temps. Tu bailles. C'est la délivrance. Le Seigneur a opéré dans ta vie. Tu es délivré. Je te remercie, Seigneur, pour les dames qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu pries pour un enfant, si tu es une femme que tu n'as jamais conçue, mets tes deux mains sur le ventre et la foi. Il y a un couple, un monsieur qui est avec sa femme. Vous êtes en train de prier pour un enfant. Ça fait 7 ans que tu n'as pas conçu. Mets ta main sur le ventre et que ton mari mette sa main sur ton ventre. Parce que le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivré au nom de Jésus. Il y a une dame qui vient de passé 9 ans. Tu as un seul enfant, tu n'as pas pu concevoir pour le deuxième enfant, mais le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, que tous les liens sataniques soient brisés. Il y a quelqu'un qui souffre énormément au niveau des yeux. Tu as enlevé tes lunettes, tu as beaucoup de douleurs. Tu souffres au niveau des yeux. Le Seigneur te délivre. Tu es libéré. Tu es guéri. Merci Seigneur pour les enfants qui sont guéris. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur ton enfant. Ou si tu as un enfant, mets ta main exactement là où tu souffres. Il y a un enfant qui a un problème d'allergie. Le Seigneur te guérit. Il y a une dame qui a un enfant dans le ventre. On t'a dit que ton enfant a la trisomie 21, mais tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'œil droit. Tu as beaucoup de douleur au niveau de l'œil droit, mais le Seigneur te guérit. Je sens la présence de Dieu. Je sens la guérison. Il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. À partir d'aujourd'hui, vous êtes guéri. Il y a un homme qui a mis sa main sur ses testicules. Tu as beaucoup de douleur au niveau des testicules, mais tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'hypertension. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Je te remercie pour toutes les maladies, même si je ne suis pas en train de citer ta maladie, et la foi, et l'assurance, approche-toi du trône de la grâce, parce qu'il y a des guérisons, il y a beaucoup de guérisons, même des maladies incurables. Il y a quelqu'un qui a un problème de virus, VIH, tu souffres du sida, au nom de Jésus, le sida est guéri, ce virus va disparaître, on ne va plus trouver ce virus dans ton sang, parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a un problème de pancréas, tu souffres du pancréas, un homme, au nom de Jésus, tu es guéri. Je te remercie Seigneur pour la personne qui est guéri de l'estomac. Il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac. Il y a beaucoup de choses que tu ne manges pas. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Tu auras un signe que tu es guéri. Et tu vas commencer à manger tout ce que tu ne pouvais pas manger. Merci Seigneur pour les 3 personnes qui sont guéries à partir de l'hôpital. Vous écoutez Kanguka à partir de l'hôpital. Vous allez tous sortir de l'hôpital. Guéri au nom de Jésus. À toi seul la gloire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est guéri de la WC. Merci Seigneur pour la WC qui est guérie. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Il y a une dame qui souffre du cancer. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a beaucoup qui sont en train d'être guéris au niveau du corps physique. Mets la main là où tu souffres. Quelqu'un a un problème sur l'avant-bras droit. Tu as des douleurs au niveau de l'avant-bras droit. Tu es guéri. Il y a deux femmes qui saignent tout le temps. Au nom de Jésus.
Jésus, vous êtes guéri. Merci Seigneur, merci, merci. Que ce saignement cesse et qu'elle ait un cycle normal. Il y a une autre femme qui a un problème de sécheresse vaginale. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Il y a quelqu'un qui a mangé du poison. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la personne qui est guérie de sinusite. Si tu souffres de sinusite, et la foi que tu es guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Il y a des filles qui ont un problème de menstruation. Tu souffres beaucoup pendant la période de menstruation. Une femme aussi mariée qui souffre pendant la période de menstruation. Au nom de Jésus, tu es guéri. Merci Seigneur, merci pour l'infection vaginale qui est guérie. Il y a une femme qui est guérie de l'infection vaginale. Je te remercie Seigneur, au nom de Jésus. Il y a une femme qui est sur une chaise, qui marche sur les béquilles. Tu as envie de marcher. Tu essaies de marcher sans béquilles. Mais aie la foi. Commence à marcher. Jette tes béquilles et marche au nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu qui te visite. Merci pour ton miracle, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour les jeunes qui sont délivrés au nom de Jésus. À toi seul la gloire. Je m'approche de ton trône de grâce éternelle des armées, Dieu vivant. Je viens dans le nom de Jésus. Ta parole est un marteau qui brise le roc. Tu es Adonai, tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es Je suis El Shaddai. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence. Je te montre que tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, il y a beaucoup qui attendent ta visitation. Je prie pour eux dans le nom puissant de Jésus. Je demande ta puissance au nom de Jésus. Je m'humilie devant toi. Je ne peux rien sans toi. Nous voulons ta main. Nous voulons ta puissance. À toi seul la gloire, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour les gens qui sentent déjà ta présence. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a la puissance de Dieu qui visite déjà beaucoup de personnes. Merci, Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème de perte de mémoire. Il y a quelqu'un qui oublie. Tout le temps, tu oublies. Mets ta main sur la tête. Garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur opère. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème qui souffre au niveau du dos. En bas à droite. Mets ta main là, tu souffres. En bas à droite. Au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Il y a beaucoup qui sont touchés au niveau du dos. Mets ta main là, tu souffres. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités. Au nom de Jésus. Il y a même quelqu'un qui est sur le lit. Tu es sur le lit. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup qui sont guéris. Une dame qui a un problème d'hernie discale. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux couples mariés que le Seigneur vient de sauver. Vous étiez sur le point de divorce, mais vous êtes délivrés au nom de Jésus. Vous êtes délivrés complètement au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui fait des affaires, un homme d'affaires. Toutes tes affaires sont bloquées. Le diable a tout bloqué. Au nom de Jésus, tu es délivré. Je confesse la délivrance au nom de Jésus. Que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la maison qui est hantée. Il y a une maison qui est hantée. Ça fait des jours que tu pries avec moi. Ta maison est hantée et liée par les démons. Que cette maison soit délivrée. Il y a quelqu'un qui a des douleurs sur le cou. Tu as mis ta main sur le cou. Tu sens beaucoup de douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Ton cou est guéri. Tu es délivré complètement au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la dent. Ta dent te fait mal. Toute la nuit, tu souffres. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui souffre sur l'orteil, sur le pied gauche. Tu as saisi ton orteil est guéri. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'incontinence urinaire. Tu n'arrives pas à stopper. Quand tu veux uriner, tu n'arrives pas à stopper. Mais à partir d'aujourd'hui, ton fonctionnement va marcher normalement. Au nom de Jésus, tu vas pouvoir te retenir jusqu'à aller uriner au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le coude, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Je sens beaucoup de guérison. Je sens la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a problème de nerf sciatique. Tu es guéri au nom de Jésus. L'hémorroïde est guéri. Si tu souffres au niveau du foie, deux personnes qui souffrent au niveau du foie, mets ta main sur le ventre, côté droit. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de guérison. Si tu as un problème de migraine, il y a quelqu'un qui a un problème de migraine. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont guéris. Il y en a un enfant qui souffre de sinusite. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a la fièvre qui fuit au nom de Jésus. Si tu pries pour ton enfant, mets ta main sur ton enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Si tu as un enfant, mets ta main exactement là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'épaule. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Il y a une dame âgée qui prie pour les genoux. Au nom de Jésus, tu es guéri. L'estomac fuit. Quelqu'un qui souffre de l'ulcère. Si c'est toi qui prie avec moi, tu souffres de l'ulcère. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Même si tu n'entends pas ta maladie, aie la foi que le Seigneur t'a visité. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Une femme qui est en train de pleurer, tu pleures
cœur. Tu veux un enfant. Ça fait 5 ans que tu n'as pas conçu, mais tu vas concevoir au nom de Jésus. Le Seigneur te libère. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as un enfant de moins de 2 mois. On t'a dit que cet enfant est menacé. On veut même tuer l'enfant dans le ventre. Au nom de Jésus, que cet enfant ait la vie. Je proclame la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour la protection divine. Que le plan de Dieu dans le ciel soit réalisé dans la vie de cet enfant qui est dans le ventre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les femmes qui sont de prier. Si tu pries pour un enfant, aie la foi. Au nom de Jésus. Si tu es avec ton mari, aie la foi. Que ton mari mette la main sur le ventre. Je te remercie Seigneur pour la femme qui est guérie de la sécheresse vaginale. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Tu es guérie au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, vous êtes guérie. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, tu es sous dialyse, mais tu es guérie. Aie la foi que tu es guérie. Confesse la guérison. Le Seigneur te visite. Il y a 2 personnes qui souffrent des angines. Vous êtes guéris. Ayez la foi. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les guérisons. Il y a 3 personnes qui ont été ensorcelées. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui ont la nausée. Il y a quelqu'un qui veut vomir. Tu vas vomir. Et même après l'émission, tu vas vomir. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant, il y a la délivrance. Alléluia, alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème de cauchemar. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil. Le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de la tuberculose. Ta tuberculose est guérie. Mets ta main sur l'oreille. Toi qui as mal au niveau de l'oreille, il y a 2 personnes qui sont guéries au niveau de l'oreille. Le Seigneur est en train d'opérer. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de maladies qui fuient. Même si tu ne sens pas la manifestation, aie la foi que tu es guéri. Confesse la guérison. Confesse la victoire. Il y a des démons qui fuient. Il y a des liens ancestrales qui sont brisés. Il y a des malédictions qui sont brisées dans les ménages, dans le mariage, dans le business. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac. Un homme, ça fait plus de 10 ans que tu souffres de l'estomac. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta manifestation. Merci pour tes guérisons. Je viens dans ta présence éternelle des armées. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Tu es Adonai. Tu es Elohim. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es Rapha. Tu es présent. Tu es Shama. Je te remercie parce que tu es El Shaddai. Tu es Elion. Tu es El Gibor. Tu es Je suis. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Je te remercie parce que tu es présent, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, pour ces gens qui sont déjà visités. Je sens la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont visités, qui sentent la présence de Dieu. Il y a beaucoup qui sont guéris au niveau du dos. Je sens qu'il y a des hommes et des femmes qui sont touchés. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main exactement là où tu souffres. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Je sens la main de Je suis. Je sens la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent le feu au niveau du dos. C'est comme si ton dos est en train de brûler. Il y a la présence de Dieu. Merci pour cette femme qui ne peut pas quitter le lit. Tu ne peux pas quitter le lit toi seul. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une grande délivrance. Je sens la délivrance. Il y a des liens ancestrales, des liens générationnels qui sont en train d'être brisés. Il y a des gens qui ont été ensorcelés par leur propre famille. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Je prie pour la délivrance totale, la délivrance des liens générationnels au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de suffoquer. Tu as envie de vomir parce que le Seigneur te visite. Il y a la main de Je suis sur toi. Merci Seigneur pour ce jeune homme. Merci parce que tu le délivres. Il y a un jeune homme qui n'arrivait même pas à marcher. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas marcher au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a une maison qui est hantée, qui est délivrée au nom de Jésus. Toute une maison, toute une famille qui était liée par des liens sataniques. À partir d'aujourd'hui, cette maison est libérée. Je te remercie Seigneur. Je te remercie pour les gens qui sont en train d'être délivrés des liens d'adultère. Il y a l'esprit d'adultère qui quitte beaucoup de gens. Il y a des hommes et des femmes qui sont liés par l'esprit d'adultère, l'esprit de fornication. Il y a des couples mariés qui vivent dans l'adultère. Que ce démon d'adultère soit brisé au nom de Jésus. Je condamne cet esprit d'adultère, l'esprit de fornication, l'esprit de masturbation et de pornographie. Tous ces jeunes, il y a des jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de masturbation au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est veuve. Elle est en train de prier pour le mariage. Tu n'as pas de mari. Ton mari est décédé. Tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre une porte. Tu vas rencontrer quelqu'un qui sera ton mari au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est libérée. Je prie pour la personne qui a un problème d'excès de zèle. Il y a quelqu'un qui prie avec moi.
chaque fois tu as envie de dormir, partout, même pendant la journée. Tu dors tout le temps, tu as le sommeil à tout moment. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de la perte de mémoire. Chaque fois tu oublies tout le temps, mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui saigne abondamment, tu as des règles abondantes, tout le temps tu saignes. Ça fait des mois que tu saignes, ça ne s'arrête pas, les médicaments ne fonctionnent pas, mais tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la personne qui est guérie des maux de tête chroniques. Ça fait longtemps que tu as des maux de tête, tout le temps tu souffres des maux de tête, mais cette malédiction est brisée au nom de Jésus. J'ai dit cette malédiction est brisée au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui sont guéries de l'infection vaginale. Merci pour ta présence Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte droite, tu as des douleurs, au nom de Jésus tu es guéri, reçois la guérison. Quelqu'un qui est guéri au niveau du bras gauche, tu as des douleurs au niveau du bras gauche, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil gauche, tu as des douleurs au niveau de l'œil gauche, tu es guéri, reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui a des douleurs au niveau du sein, le Seigneur te guérit. Quelqu'un a dit de prier pour son doigt, il y a le doigt qui a des douleurs, côté gauche, la main gauche, tu es guéri. Il y a deux personnes qui souffrent au niveau du foie, tu souffres au niveau du foie, le Seigneur te guérit. Il y a l'infection urinaire, un homme et deux femmes sont guéris de l'infection urinaire. Merci Seigneur, merci pour la dame qui est guérie de fibromes. Il y a une femme qui a des fibromes, tu étais programmé pour l'opération, mais le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Je sens la présence de Dieu, je sens la délivrance. Il y a trois personnes qui sont délivrées du diabète, je sens la délivrance. Il y a quelqu'un qui est guéri de la tension artérielle. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui a envie de vomir, tu as été ensorcelé, tu vas vomir après la prière, tu vas vomir, tu vas être délivré complètement. Il y a quelqu'un qui est guéri du cancer de l'utérus, une dame qui souffre du cancer de l'utérus, le Seigneur te guérit. Il y a des enfants qui sont en train de te toucher. Si tu pries pour ton enfant, mets ta main sur ton enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Il y a un petit enfant qui a une température élevée, le Seigneur te guérit. Un bébé qui a un problème de diarrhée et vomissement, ton enfant est guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un abcès au niveau de sa partie génitale, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un homme qui est guéri de l'asthme. Si tu souffres de l'asthme, commence par remercier le Seigneur. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur le ventre. Il y a une femme qui a un enfant de 10 ans. Tu n'as pas pu avoir un deuxième enfant, mais le Seigneur te guérit, te délivre. Tu vas concevoir bientôt. Merci pour l'homme qui est guéri de l'intestin. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille. Et un homme qui a un problème de nerf sciatique. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Ouvre la bouche. Même si tu n'as rien senti, il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a beaucoup qui ne sentent rien, mais ayez la foi. Même si je n'ai pas cité votre maladie, ayez la foi, parce que le Seigneur est à l'œuvre. Merci d'avoir entendu nos prières. Merci pour la puissance. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Rapha, c'est toi qui guéris. Tu es chaman. Je te remercie pour ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui se sont accordés avec moi dans la foi au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es Elion, tu es Je suis. Tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob. Tu parles et la chose se réalise. Tu crées du néant. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Je te remercie pour tous ceux qui sont en train de prier. Je te montre dans les quatre coins du monde ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, ceux qui s'attendent à ta visitation. Je te remercie pour ta présence, Seigneur. Le Seigneur est en train de libérer ceux qui ont des mauvais rêves. Si tu as des mauvais rêves, tu as des cauchemars, tu n'arrives pas à dormir la nuit parce que tu vois des choses terrifiantes, tu vois des choses sexuelles, tu vois quelqu'un qui vient coucher avec toi. Il y a des femmes qui voient toujours les mêmes hommes qui viennent coucher avec eux pendant la nuit. Que cet esprit vous libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soyez libérés au nom puissant de Jésus. Je demande à tous ceux qui ont des cauchemars, mettez les mains sur la tête parce qu'il y a une puissance de délivrance qui visite son peuple au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des douleurs atroces sur le genou droit. Garde ta main sur le genou parce que le Seigneur t'a visité et tu es guéri. Marche, lève-toi et commence à marcher. Tu vas fléchir le genou et marcher au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées de l'esprit d'adultère et de fornication. L'esprit de fornication libère les enfants de Dieu. Il y a des jeunes qui sont liés par la masturbation, par la pornographie. Que cet esprit vous quitte au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Je sens la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés au nom de Jésus. Que cet esprit vous quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les personnes qui sont en train d'être guéries au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Si tu as des douleurs au niveau du dos, je te demande de mettre la main exactement où tu souffres. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer plus d'une année au lit. Tu n'arrives pas à te lever toi-même. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il y a la puissance de délivrance. Il y a la puissance de guérison. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont guéries au niveau du dos. Il y a deux personnes qui ont été ensorcelées. Vous devez manger
manger du poison. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a une femme qui a la nausée, qui a envie de vomir parce qu'il y a la puissance de Dieu qui te touche. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Je détruis tous les plans de Satan. J'anéantis toutes les mauvaises paroles qui ont été confessées sur ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cette femme qui a un problème d'arthrose. Au nom de Jésus, garde ta main sur ton genou parce que le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. Ton diabète est guéri. Tu es guéri. Et quelqu'un qui a un problème d'absence d'odorat. Tu n'arrives plus à sentir quoi que ce soit. Garde ta main sur le nez parce que le Seigneur te visite. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui saigne continuellement. Ça fait longtemps que tu saignes. Tu as des règles douloureuses. Mais aujourd'hui, ça doit cesser. Que ça s'arrête au nom de Jésus. J'ai dit que ça s'arrête au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'hémorroïde. Ça te fait très mal. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a un problème de sécheresse dans la bouche. C'est comme si tu ne sens même pas la salive dans la bouche. Mais le Seigneur te guérit. Ça fait un bout de temps que tu essaies de prier tous les samedis. Mais le Seigneur te visite. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'infection pulmonaire. Il y a quelqu'un qui a un problème d'infection pulmonaire. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Au nom de Jésus. Des couples, des maris qui sont en train de prier avec leurs femmes. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui va concevoir. Tu vas avoir des jumeaux. Au nom de Jésus. Que ces jumeaux grandissent dans la présence de Dieu. Il y a une femme qui vient de passer 6 ans sans enfant. Le Seigneur t'a donné un enfant. Tu vas concevoir bientôt au nom de Jésus. Je demande à toute femme qui n'a jamais conçu. Ne sois pas découragée. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous appelons, je suis. Il est capable. Son nom est El Shaddai. Il est Adonai. Il fait ce qu'il veut. Et rien n'est impossible à lui. Il est El Gibor. Et la foi. Au nom de Jésus. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah dans sa vieillesse. Il peut te donner un enfant au nom de Jésus. Le Dieu qui a donné l'enfant à Elisabeth. Il est encore présent. Au nom de Jésus. Ayons la foi. Soyons ensemble. Si nous nous accordons dans la foi, tu vas voir ton miracle. Commence à confesser. Commence à remercier. Commence à ouvrir ton cœur. Reçois le miracle au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a des femmes qui sont touchées. Une femme qui sent quelque chose dans le ventre. Tu sens quelque chose qui bouge dans le ventre. Ce n'est pas un enfant, mais c'est la puissance de Dieu. Mais bientôt tu vas concevoir. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, tu souffres, mais tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui souffre sur la jambe droite. Tu as des douleurs sur la jambe droite. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras droit. Ton bras droit. Tu as des douleurs au niveau du bras droit, près du coude. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a des personnes qui sont guéries du sida. Vous avez le VIH, mais vous êtes guéri du sida. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Il y a un homme qui souffre, qui a des douleurs au niveau des testicules. Tu as de prier. Le Seigneur te guérit. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Et des enfants qui sont touchés. Il y a des enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette maman qui a un enfant qui est trisomique. Ton enfant a la trisomie 21. Mais ton enfant est guéri. J'ai dit ton enfant est guéri. Ne regarde pas ce que tes yeux te montrent. Commence à confesser la guérison. Commence à remercier Dieu pour la guérison. Et témoigne pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour cette personne qui a des angines. Il y a une personne qui souffre des angines. Il y a une maman qui a un problème de maux de tête chronique. Ça fait des années que tu as des maux de tête. Les calmants ne t'aident pas. Les médicaments ne fonctionnent pas. Mais le Seigneur t'a touché. Que ces maux de tête cessent aujourd'hui même. Je dis aujourd'hui même que ces maux de tête cessent. Merci pour la personne qui est guérie de l'hépatite C. Si tu souffres de l'hépatite C, le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui marche sur les béquilles. Tu veux marcher. Tu as la foi que tu peux marcher. Je te demande de lâcher. Jette ces béquilles et commence à marcher. Fais des pas au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de l'œil. Tu as des douleurs au niveau de l'œil. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Tous ceux qui sont en train de prier dans les 4 coins du monde. Nous sommes dans ta présence au nom de Jésus. Nous ne venons pas à nos propres noms, mais nous venons dans le nom de Jésus parce que nous croyons que tu es El Shaddai. Nous croyons que tu es Elohim. Tu es Rapha, l'éternel qui guérit. Tu es Alpha et Omega. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Merci pour ta présence. Merci pour ta force. Il y a une maman qui a un enfant dans le ventre. On t'a dit que l'enfant doit mourir. Je détruis cet esprit de mort. On t'a proposé d'éliminer cet enfant. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de la mort. Que cet enfant vive. Que cet enfant naisse. Que son bébé naisse. Au nom de Jésus. Il y a même un autre bébé qui est dans une couveuse. Quelqu'un est en train de prier pour un bébé qui est dans une couveuse. Que la vie de Jésus soit sur cet enfant. Au nom de Jésus.
Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour cette dame qui vient de passer plusieurs années, qui souffre de la constipation depuis plusieurs années. Au nom de Jésus, reçois la guérison au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées de l'esprit de pornographie. Il y a l'esprit de pornographie. Il y a des jeunes, des couples mariés qui sont liés par l'esprit de pornographie. Vous êtes liés par la pornographie tout le temps, dans l'ordinateur, dans le téléphone. Au nom de Jésus, que l'esprit de pornographie vous quitte au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour les jeunes qui sont délivrés de la masturbation. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Mets ta main sur l'oreille. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a deux femmes qui sont liées par des maris de nuit. Chaque fois que vous dormez, il y a des hommes qui viennent coucher avec vous. Ça vient très souvent que ces hommes vous quittent. Je brise ce lien. Il y a même des filles qui sont liées par des maris de nuit. Vous n'arrivez même pas à vous marier parce qu'il y a des esprits qui vous lient. Que ces esprits soient brisés au nom de Jésus. Je demande à toute personne qui a de mauvais rêves, des esprits sexuels pendant la nuit, mets ta main sur la tête parce que le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries au niveau du dos. Je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri au niveau des poumons. S'il y a des douleurs au niveau des poumons, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'eczéma. Je prie pour la personne qui souffre de l'eczéma. Que ta puissance se manifeste. Sur la croix, Jésus, tu as dit tout est accompli. Il y a quelqu'un qui a mis ses deux mains sur la cuisse gauche. Que ces douleurs disparaissent au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Je sens la présence de Dieu. Il y a une personne adulte qui a un problème d'incontinence urinaire. Chaque fois que tu trouves que tu as fait pipi au lit et tu n'arrives même pas à arriver à la toilette parce que tu fais pipi sur toi-même au nom de Jésus, tu vas avoir la maîtrise, tu es guéri. Sois délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil gauche. Mets ta main sur l'œil gauche. Que ces douleurs disparaissent. Et une autre personne qui a des douleurs sur le dos, côté droit en haut, au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui est guéri de la tuberculose. Tu souffres de la tuberculose. Que cette tuberculose soit guérie au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie pour sa maman qui est à l'hôpital. Il y a une maman qui est hospitalisée. À travers ta foi, ta maman est guérie. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de sinusite. Les sinusites sont guéris. Je prie pour cet enfant qui souffre de sinusite. Je prie pour l'enfant qui souffre de bronchite. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras gauche, tout près de l'épaule. Tu as beaucoup de douleur sur le bras gauche, mais le Seigneur t'a guéri. Il y a trois femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Il y a une qui dégage de mauvaises odeurs, mais le Seigneur vous guérit. Trois femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le pied gauche. Tu as des douleurs sur le pied gauche, mais reçois la guérison. Confesse la guérison. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a un homme qui a des douleurs au niveau des testicules. Ça fait quelques samedis que tu mets ta main sur les testicules, mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une femme qui vient de passer 5 ans sans enfant. Tu pries pour un enfant, tu vas concevoir bientôt. Je demande à toute femme qui aide de prier pour un enfant, ayez la foi. Ayez la foi comme Sarah, qui a eu le miracle d'une façon extraordinaire. Le même Dieu qui a donné un enfant à Sarah, il peut te donner un enfant. Il y a une femme qui vient de prier pour un enfant. Tu n'es pas avec ton mari. Ton mari est à distance. Mais quand ton mari est avec toi, tu vas concevoir dans le nom de Jésus. Il y a une autre femme qui a beaucoup de fausses couches. Chaque fois que tu as un enfant, l'enfant meurt. Que cette malédiction cesse aujourd'hui même. Au nom de Jésus, je détruis cette malédiction. Alléluia. Il y a une femme qui a eu la ménopause précoce. Tes règles se sont arrêtées plus tôt. Mais à partir de maintenant, tu vas commencer à avoir ton cycle normal et tu vas concevoir. Il y a une femme qui a un abcès dans la partie intime. Au nom de Jésus, tu es guéri. Que cet abcès disparaisse au nom de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour la victoire. Il y a la victoire. Il y a la main de je suis. Il y a une personne qui est guérie du sida, du virus VIH. Au nom de Jésus, tu es guéri. Et la foi, confesse que tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Si c'est toi qui souffres de l'insuffisance rénale, et la foi, commence à remercier le Seigneur. Je demande à toute personne de remercier le Seigneur. Que j'ai cité ta maladie ou pas. Que tu as senti la manifestation ou pas. Et la foi, je te demande d'avoir la foi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des intestins. Au nom de Jésus. Alléluia, tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'AVC. Qui souffre de l'AVC. Au nom de Jésus. Alléluia. Je te remercie, Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont présentes au Dieu. Il y a beaucoup qui sont guéris. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a plein de migraines. Tu as mis ta main sur la tête. Le Seigneur t'a guéri. Que toute maladie soit guérie. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Loue le Seigneur par la foi. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et que nous croyons. Amen.
Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison, dans quelques secondes, nous allons prier. Dieu très saint, tu es grand, tu es puissant, Père éternel, je viens devant toi, tu es Alpha et Omega, merci pour ta présence, ton nom est Elohim, tu es Tchikenu, tu es Rapha, tu es Jireh, tu es Je suis, gloire à toi Seigneur, merci pour ta présence, merci pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, ceux qui sont à genoux, les mamans qui ont mis la main sur leur ventre, parce qu'elles ont la foi, merci Seigneur, merci parce que tu as déjà touché certains. Il y a ceux qui sentent déjà la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde. Le Seigneur t'a visité. La main de Je suis est sur toi. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une délivrance. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Il y a une puissance qui se manifeste. Alléluia, alléluia. Il y a une dame qui crache. Tu as envie de cracher. Tu as la nausée. Tu as envie de vomir. Il y a la délivrance. Il y a un homme et une femme qui sont délivrés de l'esprit d'adultère. Alléluia. Il y a des jeunes qui sont délivrés de la fornication, de l'esprit de masturbation. Que la masturbation te lâche. Je dis que la masturbation te lâche. Que la pornographie te lâche. Au nom de Jésus. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Ça fait longtemps que tu pries pour le mariage. Le Seigneur t'ouvre une porte. Tu vas trouver quelqu'un pour le mariage. Au nom de Jésus. Merci pour la porte qui s'ouvre. Il y a beaucoup de personnes qui sont de la nausée. Il y a deux qui sont en train de vomir maintenant. Il y a une délivrance. Il y a des liens ancestrales qui sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une grande délivrance. Je sens beaucoup de liens sataniques qui sont brisés. Il y a deux personnes qui sont guéries du COVID-19. Vous êtes en train de prier pour la guérison du COVID-19. Le Seigneur vous guérit du coronavirus. Il y a une femme qui est en train de prier, qui a mis ses deux mains sur la tête. Les cheveux tombent tout le temps. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre des migraines. Il y a quelqu'un qui a mis ses deux mains sur la tête. Tu souffres des migraines. Mais il y a une puissance de guérison. Aujourd'hui, je sens la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a une personne qui est en train de bailler. Deux personnes qui sont en train de bailler tout le temps. Tu bailles. C'est la délivrance. Le Seigneur te opère dans ta vie. Tu es délivré. Je te remercie, Seigneur, pour les dames qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu pries pour un enfant, si tu es une femme que tu n'as jamais conçue, mets tes deux mains sur le ventre et la foi. Il y a un couple, un monsieur qui est avec sa femme. Vous êtes en train de prier pour un enfant. Ça fait 7 ans que tu n'as pas conçu. Mets ta main sur le ventre et que ton mari mette sa main sur ton ventre. Parce que le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivré au nom de Jésus. Il y a une dame qui vient de passer 9 ans. Tu as un seul enfant, tu n'as pas pu concevoir pour le deuxième enfant, mais le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, que tous les liens sataniques soient brisés. Il y a quelqu'un qui souffre énormément au niveau des yeux. Tu as enlevé tes lunettes, tu as beaucoup de douleurs, tu souffres au niveau des yeux. Le Seigneur te délivre, tu es libéré, tu es guéri. Merci Seigneur pour les enfants qui sont guéris. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur ton enfant. Ou si tu as un enfant, mets ta main exactement là où tu souffres. Il y a un enfant qui a un problème d'allergie, le Seigneur te guérit. Il y a une dame qui a un enfant dans le ventre. On t'a dit que ton enfant a la trisomie 21, mais tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'œil droit. Tu as beaucoup de douleurs au niveau de l'œil droit, mais le Seigneur te guérit. Je sens la présence de Dieu. Je sens la guérison. Il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. À partir d'aujourd'hui, vous êtes guéri. Il y a un homme qui a mis sa main sur ses testicules. Tu as beaucoup de douleurs au niveau des testicules, mais tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'hypertension. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Je te remercie pour toutes les maladies, même si je ne suis pas en train de citer ta maladie, et la foi, et l'assurance, approche-toi du trône de la grâce, parce qu'il y a des guérisons, il y a beaucoup de guérisons, même des maladies incurables, il y a quelqu'un qui a un problème de virus, VIH, qui souffre du sida, et au nom de Jésus, le sida est guéri, ce virus va disparaître, on ne va plus trouver ce virus dans ton sang, parce que le Seigneur t'a visité, il y a quelqu'un qui a un problème de pancréas, tu souffres du pancréas, un homme, au nom de Jésus, tu es guéri, je te remercie Seigneur pour la personne qui est guéri de l'estomac. Il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac. Il y a beaucoup de choses que tu ne manges pas. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Tu auras un signe que tu es guéri. Et tu vas commencer à manger tout ce que tu ne pouvais pas manger. Merci Seigneur pour les 3 personnes qui sont guéries à partir de l'hôpital. Vous écoutez Kanguka à partir de l'hôpital. Vous allez tous sortir de l'hôpital. Guéri au nom de Jésus. À toi seul la gloire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est guéri de la VC. Merci Seigneur pour la VC qui est guérie. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Il y a une dame qui souffre du cancer. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a beaucoup qui sont en train d'être guéris au niveau du corps physique. Mets la main là où tu souffres. Quelqu'un a un problème sur l'avant-bras droit. Tu as des douleurs au niveau de l'avant-bras droit. Tu es guéri. Il y a 2 femmes qui saignent tout le temps. Au nom de Jésus.
Jésus, vous êtes guéri. Merci Seigneur, merci, merci. Que ce saignement cesse et qu'elle ait un cycle normal. Il y a une autre femme qui a un problème de sécheresse vaginale. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Il y a quelqu'un qui a mangé du poison. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la personne qui est guérie de sinusite. Si tu souffres de sinusite et la foi que tu es guéri, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Il y a des filles qui ont un problème de menstruation. Tu souffres beaucoup pendant la période de menstruation. Une femme aussi mariée qui souffre pendant la période de menstruation. Au nom de Jésus, tu es guéri. Merci Seigneur, merci pour l'infection vaginale qui est guérie. Il y a une femme qui est guérie de l'infection vaginale. Je te remercie Seigneur, au nom de Jésus. Il y a une femme qui est sur une chaise, qui marche sur les béquilles. Tu as envie de marcher. Tu essaies de marcher sans béquilles. Mais aie la foi, commence à marcher. Jette ces béquilles et marche au nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu qui te visite. Merci pour ton miracle, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour les jeunes qui sont délivrés au nom de Jésus. À toi seul la gloire. Je m'approche de ton trône de grâce éternelle des armées, Dieu vivant. Je viens dans le nom de Jésus. Ta parole est un marteau qui brise le roc. Tu es Adonai, tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es Je suis El Shaddai. Je te remercie Seigneur pour ta présence. Je te montre que tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, il y a beaucoup qui attendent ta visitation. Je prie pour eux dans le nom puissant de Jésus. Je demande ta puissance au nom de Jésus. Je m'humilie devant toi. Je ne peux rien sans toi. Nous voulons ta main. Nous voulons ta puissance. À toi seul la gloire, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour les gens qui sentent déjà ta présence. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a la puissance de Dieu qui visite déjà beaucoup de personnes. Merci, Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème de perte de mémoire. Il y a quelqu'un qui oublie. Tout le temps, tu oublies. Mets ta main sur la tête. Garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur opère. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème qui souffre au niveau du dos. En bas à droite. Mets ta main là où tu souffres. En bas à droite. Au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Il y a beaucoup qui sont touchés au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités. Au nom de Jésus. Il y a même quelqu'un qui est sur le lit. Tu es sur le lit. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup qui sont guéris. Une dame qui a un problème d'hernie discale. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux couples mariés que le Seigneur vient de sauver. Vous étiez sur le point de divorce, mais vous êtes délivrés au nom de Jésus. Vous êtes délivrés complètement au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui fait des affaires, un homme d'affaires. Toutes tes affaires sont bloquées. Le diable a tout bloqué. Au nom de Jésus, tu es délivré. Je confesse la délivrance au nom de Jésus. Que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la maison qui est hantée. Il y a une maison qui est hantée. Ça fait des jours que tu pries avec moi. Ta maison est hantée et liée par les démons. Que cette maison soit délivrée. Il y a quelqu'un qui a des douleurs sur le cou. Tu as mis ta main sur le cou. Tu sens beaucoup de douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Ton cou est guéri. Tu es délivré complètement au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la dent. Ta dent te fait mal. Toute la nuit, tu souffres. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui souffre sur l'orteil, sur le pied gauche. Tu as saisi ton orteil. Ton orteil est guéri. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'incontinence urinaire. Tu n'arrives pas à stopper. Quand tu veux uriner, tu n'arrives pas à stopper. Mais à partir d'aujourd'hui, ton fonctionnement va marcher normalement. Au nom de Jésus, tu vas pouvoir te retenir jusqu'à aller uriner au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le coude, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Je sens beaucoup de guérisons. Je sens la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Tu es guéri au nom de Jésus. L'hémorroïde est guérie. Si tu souffres au niveau du foie, deux personnes qui souffrent au niveau du foie, mets ta main sur le ventre, côté droit. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de guérisons. Si tu as un problème de migraine, il y a quelqu'un qui a un problème de migraine. Tu es guéri au nom de Jésus. Et il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre de sinusite. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a la fièvre qui fuit. Au nom de Jésus, si tu pries pour ton enfant, mets ta main sur ton enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Si tu as un enfant, mets ta main exactement là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'épaule. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Il y a une dame âgée qui prie pour les genoux. Au nom de Jésus, tu es guéri. L'estomac fuit. Quelqu'un qui souffre de l'ulcère. Si c'est toi qui prie avec moi, tu souffres de l'ulcère. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Même si tu n'entends pas ta maladie, et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Une femme qui est en train de pleurer, tu pleures.
Lord. Tu veux un enfant, ça fait 5 ans que tu n'as pas conçu, mais tu vas concevoir au nom de Jésus. Le Seigneur te libère. Il y a une femme qui est enceinte, tu as un enfant de moins de 2 mois. On t'a dit que cet enfant est menacé. On veut même tuer l'enfant dans le ventre. Au nom de Jésus, que cet enfant ait la vie. Je proclame la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour la protection divine. Que le plan de Dieu dans le ciel soit réalisé dans la vie de cet enfant qui est dans le ventre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les femmes qui sont de prier. Si tu pries pour un enfant, aie la foi. Au nom de Jésus. Si tu es avec ton mari, aie la foi. Que ton mari mette la main sur le ventre. Je te remercie Seigneur pour la femme qui est guérie de la sécheresse vaginale. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Tu es guérie au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, vous êtes guéri. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, tu es sous dialyse, mais tu es guéri. Et la foi que tu es guéri, confesse la guérison. Le Seigneur te visite. Il y a 2 personnes qui souffrent des angines. Vous êtes guéri. Et la foi. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les guérisons. Il y a 3 personnes qui ont été ensorcelées. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui ont la nausée. Il y a quelqu'un qui veut vomir. Tu vas vomir. Et même après l'émission, tu vas vomir. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant, il y a la délivrance. Alléluia, alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème de cauchemar. Mets ta main sur la tête au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil, le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de la tuberculose, ta tuberculose est guérie. Mets ta main sur l'oreille, toi qui as mal au niveau de l'oreille. Il y a 2 personnes qui sont guéries au niveau de l'oreille. Le Seigneur est en train d'opérer. Il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de maladies qui fuient. Même si tu ne sens pas la manifestation, aie la foi que tu es guéri. Confesse la guérison, confesse la victoire. Il y a des démons qui fuient, il y a des liens ancestrales qui sont brisés, il y a des malédictions qui sont brisées dans les ménages, dans le mariage, dans le business. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac. Un homme, ça fait plus de 10 ans que tu souffres de l'estomac. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta manifestation. Merci pour tes guérisons. Je viens dans ta présence éternelle des armées. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Tu es Adonai. Tu es Elohim. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es Rapha. Tu es présent. Tu es Shama. Je te remercie parce que tu es El Shaddai. Tu es Elion. Tu es El Gibor. Tu es Je suis. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Je te remercie parce que tu es présent, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, pour ces gens qui sont déjà visités. Je sens la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont visités, qui sentent la présence de Dieu. Il y a beaucoup qui sont guéris au niveau du dos. Je sens qu'il y a des hommes et des femmes qui sont touchés. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main exactement là où tu souffres. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Je sens la main de Je suis. Je sens la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent le feu au niveau du dos. C'est comme si ton dos est en train de brûler. Il y a la présence de Dieu. Merci pour cette femme qui ne peut pas quitter le lit. Tu ne peux pas quitter le lit toi seul. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une grande délivrance. Je sens la délivrance. Il y a des liens ancestrales, des liens générationnels qui sont en train d'être brisés. Il y a des gens qui ont été ensorcelés par leur propre famille. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Je prie pour la délivrance totale. La délivrance des liens générationnels au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de suffoquer. Tu as envie de vomir parce que le Seigneur te visite. Il y a la main de Je suis sur toi. Merci Seigneur pour ce jeune homme. Merci parce que tu le délivres. Il y a un jeune homme qui n'arrivait même pas à marcher. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas marcher au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a une maison qui est hantée, qui est délivrée au nom de Jésus. Toute une maison, toute une famille qui est liée par des liens sataniques. À partir d'aujourd'hui, cette maison est libérée. Je te remercie Seigneur. Je te remercie pour les gens qui sont en train d'être délivrés des liens d'adultère. Il y a l'esprit d'adultère qui quitte beaucoup de gens. Il y a des hommes et des femmes qui sont liés par l'esprit d'adultère, l'esprit de fornication. Il y a des couples mariés qui vivent dans l'adultère. Que ce démon d'adultère soit brisé au nom de Jésus. Je condamne cet esprit d'adultère, l'esprit de fornication, l'esprit de masturbation et de pornographie. Tous ces jeunes, il y a des jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de masturbation au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est veuve. Elle est en train de prier pour le mariage. Tu n'as pas de mari. Ton mari est décédé. Tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre une porte. Tu vas rencontrer quelqu'un qui sera ton mari au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est libérée. Je prie pour la personne qui a un problème d'excès de zèle. Il y a quelqu'un qui prie avec moi. Chaque fois tu as envie de dormir partout, partout, même pendant la journée. Tu dors tout le temps. Tu as le sommeil à tout moment. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de la perte de mémoire. Chaque fois tu oublies tout. Tu oublies tout le temps. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui saigne abondamment. Tu as des règles abondantes. Tout le temps tu saignes. Ça fait des mois que tu saignes. Ça ne s'arrête pas. Les médicaments ne fonctionnent pas. Mais tu es
es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la personne qui est guérie des maux de tête chroniques. Ça fait longtemps que tu as des maux de tête, tout le temps tu souffres des maux de tête. Mais cette malédiction est brisée au nom de Jésus. J'ai dit cette malédiction est brisée au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui sont guéries de l'infection vaginale. Merci pour ta présence Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte droite. Tu as des douleurs, au nom de Jésus tu es guéri, reçois la guérison. Quelqu'un qui est guéri au niveau du bras gauche, tu as des douleurs au niveau du bras gauche, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil gauche, tu as des douleurs au niveau de l'œil gauche, tu es guéri, reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui a des douleurs au niveau du sein, le Seigneur te guérit. Quelqu'un est en train de prier pour son doigt, il y a le doigt qui a des douleurs, côté gauche, la main gauche, tu es guéri. Il y a deux personnes qui souffrent au niveau du foie, tu souffres au niveau du foie, le Seigneur te guérit. Il y a l'infection urinaire, un homme et deux femmes sont guéris de l'infection urinaire. Merci Seigneur, merci pour la dame qui est guérie de fibromes. Il y a une femme qui a des fibromes, tu étais programmé pour l'opération, mais le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Je sens la présence de Dieu, je sens la délivrance. Il y a trois personnes qui sont délivrées du diabète, je sens la délivrance. Il y a quelqu'un qui est guéri de la tension artérielle, il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui a envie de vomir, tu as été ensorcelé, tu vas vomir après la prière, tu vas vomir, tu vas être délivré complètement. Il y a quelqu'un qui est guéri du cancer de l'utérus, une dame qui souffre du cancer de l'utérus, le Seigneur t'a guéri. Il y a des enfants qui sont en train de te toucher. Si tu pries pour ton enfant, mets ta main sur ton enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Il y a un petit enfant qui a une température élevée, le Seigneur te guérit. Un bébé qui a un problème de diarrhée et vomissement, ton enfant est guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un abcès au niveau de sa partie génitale, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un homme qui est guéri de l'asthme. Si tu souffres de l'asthme, commence par remercier le Seigneur. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur le ventre. Il y a une femme qui a un enfant de 10 ans. Tu n'as pas pu avoir un deuxième enfant, mais le Seigneur te guérit, te délivre. Tu vas concevoir bientôt. Merci pour l'homme qui est guéri de l'intestin. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille et un homme qui a un problème de nerf sciatique. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Même si tu n'as rien senti, il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a beaucoup qui ne sentent rien, mais ayez la foi. Même si je n'ai pas cité votre maladie, ayez la foi parce que le Seigneur est à l'œuvre. Merci d'avoir entendu nos prières. Merci pour la puissance. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Rapha, c'est toi qui guéris. Tu es chaman. Je te remercie pour ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui se sont accordés avec moi dans la foi au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es Elion, tu es Je suis, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob. Tu parles et la chose se réalise. Tu crées du néant. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Je te remercie pour tous ceux qui sont en train de prier. Je te montre dans les quatre coins du monde ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, ceux qui s'attendent à ta visitation. Je te remercie pour ta présence, Seigneur. Le Seigneur est en train de libérer ceux qui ont des mauvais rêves. Si tu as des mauvais rêves, tu as des cauchemars, tu n'arrives pas à dormir la nuit parce que tu vois des choses terrifiantes, tu vois des choses sexuelles, tu vois quelqu'un qui vient coucher avec toi. Il y a des femmes qui voient toujours les mêmes hommes qui viennent coucher avec eux pendant la nuit. Que cet esprit vous libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soyez libérés au nom puissant de Jésus. Je demande à tous ceux qui ont des cauchemars, mettez les mains sur la tête parce qu'il y a une puissance de délivrance qui visite son peuple au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des douleurs atroces sur le genou droit. Garde ta main sur le genou parce que le Seigneur t'a visité et tu es guéri. Marche, lève-toi et commence à marcher. Tu vas fléchir le genou et marcher au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées de l'esprit d'adultère et de fornication. L'esprit de fornication libère les enfants de Dieu. Il y a des jeunes qui sont liés par la masturbation, par la pornographie. Que cet esprit vous quitte au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Je sens la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés au nom de Jésus. Que cet esprit vous quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les personnes qui sont en train d'être guéries au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Si tu as des douleurs au niveau du dos, je te demande de mettre la main exactement où tu souffres. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer plus d'une année au lit. Tu n'arrives pas à te lever toi-même. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il y a la puissance de délivrance. Il y a la puissance de guérison. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont guéries au niveau du dos. Il y a deux personnes qui ont été ensorcelées. Vous devez manger du poison. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a la nausée. Tu as envie de vomir parce qu'il y a la puissance de Dieu qui te touche. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus, je détruis tous les plans de Satan. J'anéantis toutes les mauvaises paroles qui ont été confessées sur ta vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cette femme qui a un problème d'arthrose. Au nom de Jésus, garde ta main sur ton genou parce que le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui se
souffre du diabète, ton diabète est guéri, tu es guéri. Et quelqu'un qui a un problème d'absence d'odorat, tu n'arrives plus à sentir quoi que ce soit. Garde ta main sur le nez, parce que le Seigneur te visite. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui saigne continuellement. Ça fait longtemps que tu saignes. Tu as des règles douloureuses. Mais aujourd'hui, ça doit cesser. Que ça s'arrête au nom de Jésus. J'ai dit que ça s'arrête au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'hémorroïde. Ça te fait très mal. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a un problème de sécheresse dans la bouche. C'est comme si tu ne sens même pas la salive dans la bouche. Mais le Seigneur te guérit. Ça fait un bout de temps que tu essaies de prier tous les samedis. Mais le Seigneur te visite. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'infection pulmonaire. Il y a quelqu'un qui a un problème d'infection pulmonaire. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Au nom de Jésus. Des couples, des maris qui sont en train de prier avec leurs femmes. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui va concevoir. Tu vas avoir des jumeaux. Au nom de Jésus. Que ces jumeaux grandissent dans la présence de Dieu. Il y a une femme qui vient de passer 6 ans sans enfant. Le Seigneur t'a donné un enfant. Tu vas concevoir bientôt au nom de Jésus. Je demande à toute femme qui n'a jamais conçu, ne sois pas découragée. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous appelons, je suis. Il est capable. Son nom est El Shaddai. Il est Adonai. Il fait ce qu'il veut et rien n'est impossible à lui. Il est El Gibor, El Afoi. Au nom de Jésus, le Dieu qui a donné un enfant à Sarah dans sa vieillesse, il peut te donner un enfant au nom de Jésus. Le Dieu qui a donné l'enfant à Élisabeth, il est encore présent au nom de Jésus. Ayons la foi. Soyons ensemble. Si nous nous accordons dans la foi, tu vas voir ton miracle. Commence à confesser. Commence à remercier. Commence à ouvrir ton cœur. Reçois le miracle au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a des femmes qui sont touchées. Une femme qui sent quelque chose dans le ventre. Tu sens quelque chose qui bouge dans le ventre. Ce n'est pas un enfant, mais c'est la puissance de Dieu. Mais bientôt tu vas concevoir. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, tu souffres, mais tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui souffre sur la jambe droite. Tu as des douleurs sur la jambe droite. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras droit. Ton bras droit. Tu as des douleurs au niveau du bras droit, près du coude. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a des personnes qui sont guéries du sida. Vous avez le VIH, mais vous êtes guéri du sida. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Il y a un homme qui souffre, qui a des douleurs au niveau des testicules. Tu as de prier. Le Seigneur te guérit. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Et des enfants qui sont touchés. Il y a des enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette maman qui a un enfant qui est trisomique. Ton enfant a la trisomie 21. Mais ton enfant est guéri. J'ai dit ton enfant est guéri. Ne regarde pas ce que tes yeux te montrent. Commence à confesser la guérison. Commence à remercier Dieu pour la guérison. Et témoigne pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour cette personne qui a des angines. Il y a une personne qui souffre des angines. Il y a une maman qui a un problème de maux de tête chronique. Ça fait des années que tu as des maux de tête. Les calmants ne t'aident pas. Les médicaments ne fonctionnent pas. Mais le Seigneur t'a touché. Que ces maux de tête cessent aujourd'hui même. Je dis aujourd'hui même que ces maux de tête cessent. Merci pour la personne qui est guérie de l'hépatite C. Si tu souffres de l'hépatite C, le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui marche sur les béquilles. Tu veux marcher. Tu as la foi que tu peux marcher. Je te demande de lâcher. Jeter ces béquilles et commence à marcher. Fais des pas au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de l'œil. S'il y a des douleurs au niveau de l'œil, je ne peux pas citer toutes les maladies. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Tous ceux qui sont en train de prier dans les quatre coins du monde. Nous sommes dans ta présence au nom de Jésus. Nous ne venons pas à nos propres noms, mais nous venons dans le nom de Jésus parce que nous croyons que tu es El Shaddai. Nous croyons que tu es Elohim. Tu es Rapha, l'éternel qui guérit. Tu es Alpha et Omega. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Merci pour ta présence. Merci pour ta force. Il y a une maman qui a un enfant dans le ventre. On t'a dit que l'enfant doit mourir. Je détruis cet esprit de mort. On t'a proposé d'éliminer cet enfant. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de la mort. Que cet enfant vive. Que cet enfant naisse. Que son bébé naisse. Au nom de Jésus. Il y a même un autre bébé qui est dans une couveuse. Quelqu'un est de prier pour un bébé qui est dans une couveuse. Que la vie de je suis soit sur cet enfant au nom de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour cette dame qui vient de passer plusieurs années, qui souffre de la constipation depuis plusieurs années. Au nom de Jésus, reçois la guérison au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées de l'esprit de pornographie. Il y a l'esprit de pornographie. Il y a des jeunes, des couples mariés qui sont liés par l'esprit de pornographie. Vous êtes liés par la pornographie tout le temps, dans l'ordinateur, dans le téléphone. Au nom de Jésus, que le
esprits de pornographie vous quittent au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour les jeunes qui sont délivrés de la masturbation. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Mets ta main sur l'oreille au nom de Jésus. Tu es guéri, reçois la guérison. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Il y a deux femmes qui sont liées par des maris de nuit. Chaque fois que vous dormez, il y a des hommes qui viennent coucher avec vous. Ça vient très souvent que ces hommes vous quittent. Je brise ce lien. Il y a même des filles qui sont liées par des maris de nuit. Vous n'arrivez même pas à vous marier parce qu'il y a des esprits qui vous lient. Que ces esprits soient brisés au nom de Jésus. Je demande à toute personne qui a de mauvais rêves, des esprits sexuels pendant la nuit, mets ta main sur la tête parce que le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries au niveau du dos. Je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri au niveau des poumons. S'il y a des douleurs au niveau des poumons, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'eczéma. Je prie pour la personne qui souffre de l'eczéma. Que ta puissance se manifeste. Sur la croix, Jésus t'a dit, tout est accompli. Il y a quelqu'un qui a mis ses deux mains sur la cuisse gauche. Que ces douleurs disparaissent au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Je sens la présence de Dieu. Il y a une personne adulte qui a un problème d'incontinence urinaire. Chaque fois que tu trouves que tu as fait pipi au lit et tu n'arrives même pas à arriver à la toilette parce que tu fais pipi sur toi-même au nom de Jésus, tu vas avoir la maîtrise, tu es guéri. Sois délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil gauche. Mets ta main sur l'œil gauche, que ces douleurs disparaissent. Et une autre personne qui a des douleurs sur le dos, côté droit en haut, au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui est guéri de la tuberculose. Tu souffres de la tuberculose. Que cette tuberculose soit guérie au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie pour sa maman qui est à l'hôpital. Il y a une maman qui est hospitalisée. À travers ta foi, ta maman est guérie. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de sinusite. Les sinusites sont guéris. Je prie pour cet enfant qui souffre de sinusite. Je prie pour l'enfant qui souffre de bronchite. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras gauche, tout près de l'épaule. Tu as beaucoup de douleur sur le bras gauche, mais le Seigneur t'a guéri. Il y a trois femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Il y a une qui dégage de mauvaises odeurs, mais le Seigneur vous guérit. Trois femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le pied gauche. Tu as des douleurs sur le pied gauche, mais reçois la guérison. Confesse la guérison. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a un homme qui a des douleurs au niveau des testicules. Ça fait quelques samedis que tu mets ta main sur les testicules, mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une femme qui vient de passer 5 ans sans enfant. Tu pries pour un enfant, tu vas concevoir bientôt. Je demande à toute femme qui vient de prier pour un enfant, ayez la foi. Ayez la foi comme Sarah, qui a eu le miracle d'une façon extraordinaire. Le même Dieu qui a donné un enfant à Sarah, il peut te donner un enfant. Il y a une femme qui vient de prier pour un enfant. Tu n'es pas avec ton mari est à distance. Mais quand ton mari est avec toi, tu vas concevoir dans le nom de Jésus. Il y a une autre femme qui a beaucoup de fausses couches. Chaque fois que tu as un enfant, l'enfant meurt. Que cette malédiction cesse aujourd'hui même. Au nom de Jésus, je détruis cette malédiction. Alléluia. Il y a une femme qui a eu la ménopause précoce. Tes règles se sont arrêtées plus tôt. Mais à partir de maintenant, tu vas commencer à avoir ton cycle normal et tu vas concevoir. Il y a une femme qui a un abcès dans la partie intime. Au nom de Jésus, tu es guéri. Que cet abcès disparaisse. Au nom de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour la victoire. Il y a la victoire. Il y a la main de Je suis. Il y a une personne qui est guérie du sida, du virus VIH. Au nom de Jésus, tu es guéri. Aie la foi. Confesse que tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Si c'est toi qui souffres de l'insuffisance rénale, aie la foi. Commence à remercier le Seigneur. Je demande à toute personne de remercier le Seigneur. Que j'ai cité ta maladie ou pas. Que tu as senti la manifestation ou pas. Aie la foi. Je te demande d'avoir la foi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des intestins. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'AVC, qui souffre de l'AVC. Au nom de Jésus. Alléluia. Je te remercie, Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont représentées au Dieu. Il y a beaucoup qui sont guéris. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème de migraine. Tu as mis ta main sur la tête. Le Seigneur t'a guéri. Que toute maladie soit guérie. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Loue le Seigneur par la foi. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au +32 486 87 43 70.
En conclusion, la confiance en Dieu, forgée dans les pages de la parole et dans les moments d'intimité spirituelle, éclaire notre chemin avec l'assurance que ses plans sont de paix et d'espérance. Enracinés dans la prière, l'étude de la Bible et le souvenir de ses fidèles réponses, nous nous abandonnons à sa direction, sachant qu'en lui, nos chemins sont tracés avec sagesse. Cette confiance se traduit en actions audacieuses, en soumission joyeuse et en gratitude constante, témoignant de notre foi dans le Dieu qui est toujours présent, toujours attentif et toujours fidèle, peu importe les circonstances de la vie.